Encore 5 minutes. C'est le soir idéal pour des courses de chats. Ces minous devaient être très aimés. Pur sang junior. Ces majestueux félins aimés des turfistes détient de nombreux records de vitesse établis ici dans le félinodrome de Rubacava. Sa carrière fut tragiquement interrompue au cours de la seconde semaine de la saison féline quand le long courrier Olivia Ier s'écrasa lors de son vol inaugural au milieu du champ de course. Nombre de fans en deuil affirmèrent qu'avant le crash du dirigeable, Pur Sang Junior menait la course. Caramba, cette odeur est pire que la muerte. C'est écrit ouvre-boîte révolutionnaire spécialement conçue pour la jante féline. Je me demande ce que je déteste le plus, la foule ou les chats. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que d'habitude. Waouh, Manny Calavera. Tu ne passes jamais plus me dire bonjour. Comme tout le monde est à la fête des morts, j'ai pensé que tu aurais les coudées franches. Dans ce cas, Manny, tu peux bien rester jusqu'à 6 heures. C'est l'heure où je pars. Je peux essayer ton détecteur de métaux? Pourquoi t'intéresses-tu tout à coup au détecteur de métaux? Je suis collectionneur. Eh bien, je te le montrerai quand ce sera l'heure de la pause. T'es d'accord? Et c'est bien trop? À l'aube. Oh, c'est trop tard. J'embarque cette nuit. J'avais oublié. Je suis tombée dans ce panneau beaucoup trop souvent. Des heures sup? Pas vraiment. Ils sont tous partis en vacances dans leur famille. Tout est mort ici, Manny. J'en ai marre. Marre. Elle attend quoi, la navette? Ils la nettoient, c'est tout, mais ils sont tatillons. Le dirigeable est d'une structure délicate. Je pense que c'est l'heure de la pause. Si on allait boire un verre là-bas dans le fond, tu me dirais tout sur ton travail, les risques, les détecteurs de métaux. Cette pièce est un lieu de travail, Manny, et je suis occupée. Pourquoi ne viens-tu plus jamais au club? Pour te dire la vérité, Manny, c'est à cause de cette fille du vestiaire. Elle a une énergie qui me donne envie de l'étrangler. J'ai essayé et ça ne l'a pas arrêté. Il sera quoi le local du fond, Carla? On y fouille les gens. T'as rien à y faire. J'aimerais bien me faire fouiller. On y va? J'admets que ce serait une façon agréable de passer le temps, mais nous avons un règlement. Et on ne sait jamais quand ils nous observent. Je ne peux déshabiller quelqu'un que lorsque la fouille standard n'a rien donné. Ça vaut le coup d'essayer. J'adore cette scène. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur? Vous êtes en règle. Eh ben dis donc, Manny, j'ai failli te faire déshabiller. Pas vraiment envie de faire ça. Ou alors juste une gorgée. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur? Êtes-vous sûr que vous n'avez rien d'autre sur vous? Rien qui ne puisse déclencher ces trucs. Dans ce cas, monsieur, j'ai bien peur que vous deviez me suivre. C'est les règlements.
Comme papa était dans l'armée, nous avons bien sûr déménagé souvent. Mm-hmm. Je me souviens de cette ville où nous nous sommes fixés quand j'étais en première. Oh, vraiment? Oui, la seule activité locale, c'était les figues. Des plantations de figuiers à perte de vue, il y en avait partout. Les figues, ça ne m'a jamais vraiment passionnée. Très intéressant. J'ai toujours préféré les dattes ou les pruneaux. Et toi, les dattes. Tu aimes les pruneaux? Leur chair a une telle saveur. À vrai dire, je n'en suis pas fada. Ridé comme le visage de ma grand-mère Tignasse. Oh, pauvre mamie Tignasse. Ah, oh, il était du Tignasse, genre tête en l'air. C'est vraiment un nom pas banal. Je me souviens d'une fois où j'avais 6 ans. Ou alors non, j'avais 7 ans. Ah, l'âge d'or de l'enfance. Non. J'en avais 6 parce que Rufus... Oui, tu devais avoir 7 ans. ...était encore vivant. Ah, c'était un brave chien, quel ce Rufus. Une adorable petite touffe de poils. Moi aussi, j'ai eu un chien autrefois. Quand un étranger venait chez nous, il essayait tout de même d'aboyer. Dis-moi ça. Et ça ressemblait au miaulement d'un chat qui recrache une boule de poils. As-tu déjà aboyé pour de vrai? C'est le pied. Ce que faisait souvent notre chat, qui avait de longs poils. Ça m'est arrivé un jour de recracher des poils. J'aime pas les chats angora. Et toi, Mani? Oh, Berk. Ils sont si... Je préfère les chats à poils ras. Ils ont l'air moins snob. Non, la facture du taxidermiste est généralement salée. Figure-toi que les gens me trouvent snob. Incroyable, non? Non, c'est plus profond, je comprends pas. C'est vrai pas. Qu'à notre première rencontre, je t'avais trouvé un peu snob. Peut-être à cause de ma timidité. Même au lycée, j'étais encore une voix blanche. Ta timidité, bien sûr. Je ne suis jamais allée à une seule boule. Moi, mes années de lycée, je les ai passées en col. Les garçons m'invitaient, mais moi je les fuyais. Tu vois le tableau. Maman disait que j'aurais pu être fuyer, la reine du bal de fin d'année. C'est exactement ce qu'on devrait faire maintenant. Elle disait toujours, le sourire, c'est ce qui compte le plus. Je suis certain que ta maman t'était dévouée. Peut-être que j'aurais souri plus souvent, maman. Si tu n'avais pas tant bu, est-ce que j'étais censée sourire quand les flics ont débarqué en pleine nuit pour qu'on aille te récupérer dans la cellule des poivrons? Peut-être que si j'avais souri plus souvent, papa ne serait pas parti. Oh là là. On serait ensemble maintenant. Toi, moi, papa, grand-mère Tignasse. Et le petit Rufus. Qu'il est parti parce que tu ne prêtais pas tes affaires. Tu n'es revenu que pour me demander de te prêter mon détecteur de métaux? Oui. Mais pourquoi veux-tu cet engin? Tu me fais suer, Mani. Si c'est tout ce que tu veux, eh bien tu ne l'auras pas. Ah, ces hommes, ils pensent tous à la même chose. À part toi, la seule femme dont tu te soucies. C'est cette Mercedes Colomar qui t'a filé entre les doigts. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Mais j'en ai marre d'essayer de deviner. Carla. Tu n'aurais pas par hasard un deuxième détecteur de métaux dans tes affaires? Ah. Bye, Carla. Écrase. C'est le trou où j'ai vu tomber le détecteur de métaux de Carl. Oh non! Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. Ça sent un peu, mais j'ai connu pire. Turbo chaboté, il est presque. Et Louise Alizé. Les voilà, les félinodromes géants de Max. Comment un type réglo avec 3 petites tables de jeu peut se battre contre ça?
Ça fait mal, on dirait. C'est un petit classeur. Hola, Toto. ¿Cómo estás? Plus tard, Manny. Là, je suis sur une affaire avec Anselmo Naranja. Allô, l'opératrice? Oui, c'est moi. Comment as-tu deviné? Eh, dis pas ça, mon cœur. J'avais vraiment l'intention de passer. Je n'ai qu'une hâte, c'est de quitter cette ville. Voilà mon gagne-pain. Des rupins amateurs de sensations, mais pas doués pour les stats et les probes. Les croupiers honnêtes se font rares de nos jours. Et des types comme lui, encore le plus. Numéro gagnant, le 29. Tout se passe bien? Il me faudra bientôt des jetons supplémentaires si ce type continue de gagner comme ça. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Vous savez, on dit parfois qu'il faut toujours quitter la table de jeu au moment où la chance vous sourit. Peut-être, mais ce soir, je sens que j'ai la baraka. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Je peux m'asseoir, Charlie? Fais comme chez toi, Manny. Il est bien à toi, ce club, non? Oui. Alors, qu'est-ce que tu y fais? Ne t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bar? Oh, non. Ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors maintenant, je dois venir ici, Manny. C'est un chouette endroit, Manny. Avec quoi as-tu imprimé tes faux tickets? Avec ça. Belle bécane, hein? La dernière fois qu'on m'a mis au trou, je partageais ma cellule avec un faussaire de premier ordre. Mais il avait aucune ambition, j'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais, ça peut tomber à point. Hé, hey, rends-la-moi, Manny. Peut-être une fois que tu auras effacé ton ardoise, Charlie. Oh, Manny. Quoi d'autre peux-tu contrefaire? Rien d'autre, n'importe quoi. Tu peux faire des passeports? Manny, sur bien des points, tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation, et notre roi porte un suaire. Donc, pas de passeport? Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. Et des permis de conduire? Pas de problème. Donne-moi une photo récente, 50 sacs et 15 jours pour les faire, ok? Et des cartes de syndicat, tu peux en faire? Manny, tu comptes travailler au noir ou tu veux juste aller boire dans les bars de marins? Tu peux ou tu ne peux pas? Je te propose un marché. Si tu récupères l'argent que me doit Maximino, je te propulse à la tête de ce syndicat véreux. Je ne recherche pas les honneurs. Pourquoi Max te doit-il de l'argent? Le mois passé, je lui ai donné en gage une valise pleine de fric. La course était truquée, Manny. Ils m'ont volé, ces escrocs de bas étage. Tiens, prends ce passe.
Avec lui, tu pourras te présenter au salon privé. Moi, j'y suis plus en odeur de sainteté. Tu trouveras un coffre dans la cave à vin. Normalement, ma valise est à l'intérieur. Et tu peux m'avoir une carte ce soir? Si tu récupères mon fric, la carte sera sur la table à ton retour. Numéro gagnant, le 23. Rouge, impair et passe. 23, rouge. C'est une carte de VIP qui m'ouvre les portes du salon privé. Oh, je ne vais pas montrer ça à Glottis. Regarde un peu ce pass. Il donne accès au salon privé. Comment peuvent-ils être aussi imbus d'eux-mêmes, ceux-là? Ils se prennent pour les gros bonnets alors qu'ils ne sont rien. Je ne sais pas. J'aime pas m'approcher de cet endroit. Ah bon? Pourquoi? À cause de mon problème. Glottis? Compadre? Pourquoi ne l'ai-je jamais empêché d'ajouter tous ces tuyaux à cet engin? J'ai un message pour toi de la part de Lola. Lola? Oui. Bon, où est-il? Mais où l'ai-je mis? Oh, voilà. Non, attends. Flûte. J'ai un nouveau système pour les messages. Laisse-moi juste... Voilà. Non. Attends. Ah, on se calme. Le voilà. Attends une seconde. Vide. Il y avait quelque chose. Sûrement une clé. Une clé? Ouais. Quelqu'un serait venu la voler pendant que j'étais occupée à trier les manteaux? Qui ferait une chose pareille? Tout mon système tombe à l'eau. Tout dans la ligne droite, Mimi! Vite! Les paris sont terminés! Ah, c'est ça! C'est quoi ça? Pas à dire si Nick s'est y fait. Nick Virago, tu as réussi à te dégoter un boulot au salon privé? J'aurais cru que l'avocat privé de Maximino aurait son propre bureau. J'en ai un. Éloignez-vous des pistes. Mais on n'y sert pas à boire. T'as une trace de rouge à lèvres, beau gosse. Je l'ai déjà éliminé. Et je préfère la même chose avec toi, Calavera. Tu ferais mieux de la boucler. Maître Guy. J'ai besoin d'un avocat. Tu t'es fourré dans le pétrin, c'est ça, Calavera. La course va commencer sous peu.
Un client prétend que ma roulette est truquée. Le problème, c'est qu'elle est truquée. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un avocat. C'est si tu veux un avocat pour affaires courantes ou un super avocat. Un excellent avocat. Tu veux n'importe lequel ou l'as des super pros? Le meilleur, voilà en fait ce qu'il me faut. Et qui cela peut-il être, hein, dis-moi, Calavera? Qui, selon toi, est l'as des as parmi tous les avocats du pays des morts? C'est toi, Nick. Bien vu. Et c'est pourquoi Max m'a engagé sur la base d'un contrat d'exclusivité. Alors désolé, je ne fais pas d'heure sup. Plus gentil, Gris. Alors, ça boum, Nick, hein? Le félinodrome n'a pas une gestion nette? Si. Les chats y sont lavés chaque jour. Chope cette souris! Je ne peux plus garder ça pour moi. Je déteste les chats. Moi aussi. Mais ils mettent du beurre dans les épinards. Papa va être très fier de toi! Qui vois-tu dans la quatrième aujourd'hui? Eh bien, le dossard numéro 2, un tigré à pattes blanches est favori, mais il y a une conjonctivite. Mais tu crois qu'il tiendra malgré tout la distance, c'est ce que tu penses? Non. Avec son œil poché, il finira dernier. Mais ça, personne ne le sait. Et je vais ramasser gros. J'ai vraiment besoin d'un avocat. Mon carnet de balles est plein. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je dirai à Max que tu sors avec Olivia. Franchement, je ne te le conseille pas. Il serait furieux et alors gare à toi. Surtout si le cafeteur n'a aucune preuve. Je suis un ami de Max, il me croira. Les gens ne croient que ce qu'ils veulent bien croire, Calavera. Et j'aime à croire que tu es un gars intelligent qui répugnerait à répandre des rumeurs dangereuses. Je dois m'entretenir un moment avec Max. J'espère que tu seras parti quand je reviendrai. J'en ai un peu marre de ta tronche. Tu as cigarette de Virago. Avec ça, je risque d'avoir des ennuis. Quelque chose fait du bruit à l'intérieur. Ça doit être caché dans un casier, mais je ne vois rien nulle part pour ouvrir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'entrer dans le bureau de Max alors qu'il reçoit Nick. On dirait une pompe à jus. On dirait la réserve. On dirait des boîtes de cornet beef ou de pâté. Minou, 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 minou! Je ne savais pas que tu étais un mordu de course, Blottis. Les médecins mauvais bromètre ne plus recommandent. Mais ils n'ont pas accès au salon privé, hein, ça, non! Vas-y, Mimi! Tu rentres bientôt? Je visualise. Ah, c'est ça! Et le voici à le départ. Donne tout dans la ligne droite, Mimi! Tandis qu'à la corde, baby! Vu sa tête, ce type a vraiment besoin de dormir. Allez, debout? Hé! Hey, y'en a qui essaient de dormir ici? Vous descendez? Probablement, plus tard.
Et maintenant, vous pouvez m'emmener en bas ? Oui, je pourrais vous y emmener, mais je ne frappe plus les clients. Dans l'ascenseur, je veux le prendre pour descendre. C'est vrai, là-dedans personne ne me verrait vous frapper, mais j'aurai encore des ennuis. Pourquoi ne pouvez-vous plus frapper les clients ? Exactement, ça n'a aucun sens. Contentez-vous d'ouvrir la porte. Alors ils verraient qu'on se bat. Je ne veux pas me battre, mais utiliser l'ascenseur. Froussard. On peut vous soudoyer. Regardez-moi. Que pourriez-vous donner à quelqu'un qui a déjà tout ? Hé, et si on tabassait ce serveur ? Bonne idée. Mais il est nouveau. Fichez-lui la paix. Excusez mon ami, je vais le sortir de là si vous le souhaitez. Qui ? Glottis ? Il va bien, mais il ne connaît pas ses limites. Je dois sans arrêt lui fournir un nouveau tonneau et ça m'empêche de dormir. Désolé, faites pas attention, je n'ai fait que passer. Pour aller où ? À l'ascenseur. Mon œil ! Je ne peux pas descendre à la cave ? C'est une cave à vin. C'est là qu'on stocke le vin. Ok, bonne nuit. Hein ? Ce tonneau, il faut le vider avant de l'ouvrir. Ça risque de faire une sacrée... Ce monstre là-haut me fera tourner en brique. Oh, mais monsieur, je suis très désolé. L'accès aux cuisines est interdit aux clients. Je vous prie de quitter ce lieu. Il n'y a pas le feu, Raoul. Raoul. Oh, je vous en prie, passe là. Je déteste les endroits exigus, monsieur. Je suis claustrophobe, je le jure. Je n'ai pas de temps pour ce genre de jeu. Si je ne rapporte pas ces boissons, les clients vont tous rappliquer ici en râlant. Et on se dépêche. Allô ? Il y a quelqu'un ? Quelqu'un pourrait-il m'ouvrir la porte ? Je... Il se trouve que je me suis enfermé ici par mégarde. Et comme je suis claustrophobe au dernier degré, si quelqu'un... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Faites-moi sortir d'ici immédiatement ! C'est quoi ça ? Et j'ai soif. Il est où, le garçon ? C'est parfait. Ne lésine pas sur la quantité. Ce travail devrait être fait depuis longtemps.
Ah, c'est vide. Oh, Ruben, où es-tu? Oh, mon Dieu! On se fait une petite sieste, hein? Bon, ce tonneau est vide, alors magne-toi le wagon. Oui, monsieur, à votre service. Garçon, du vin! Je vais le virer pour incompétence, et après je rends mon tablier pour de bon. Je ne peux plus rester dans cet office. Ce n'est pas une vie d'être enfermé dans ce genre de cage à poules.